Coucou! Alors j'ai un petit problème de téléphone. Ouais, je vais commencer comme ça. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Il a un peu la fâcheuse manie de ne plus filmer que 25 minutes. Et pourtant, c'est un vieux qui ne me sert à rien. Mais... Donc du coup, il va falloir faire quand même rapide. Avant, je pouvais faire 50 minutes. Deux fois, une fois 30, une fois 20. Et là, je sais pas ce qu'il me fait. Il a dû faire une mise à jour. Pourtant, il sert plus. Je mets rien à jour. J'ai viré plein de trucs et tout, mais... Donc, maintenant mes vidéos, vous saurez qu'elles feront 25 minutes top chrono. Alors, on est parti. Qu'est-ce que je vais faire de... Je vais faire une Pocket Letter en mix média. Oui, alors c'est tout à fait nouveau pour moi. Donc, je suis partie, vous me connaissez, de mes fonds de paquets de bière. Alors, comment vous dire? Je crois qu'il y en a une. Vous allez me dire, mais t'en bois combien? Mais sur un carton de bouteille de bière de cette marque verte, vous pouvez avoir. Beaucoup de chutes. Vous voyez, là, ça, c'est un côté, en fait, où c'est le dessus. Enfin, ça correspond bien à une taille ATC. Soit dit en passant, là, je viens de finir ma dernière cartonnette. Donc, il va falloir que j'aille chercher chez les amis un carton. Voilà. Ça, c'est du carton ondulé. Alors, où je l'ai eu? Je l'ai dédoublé et c'est l'envoi de couleur papier. Elle m'a fait pour notre swap. J'ai mis un peu un truc derrière à la télé parce que scraper 100 choses derrière moi, c'est compliqué en fait. Moi, j'aime bien avoir de la musique ou du truc, mais la musique, on peut pas, et la télé, on peut pas. Et voilà, tout le monde m'a bien expliqué ce que j'en courais, donc je fais comme ça. Mais pour moi, c'est très barbant en fait de scraper sans musique. C'est pas inspirant du tout. Alors, ce carton, vous voyez, alors quand je l'ai dédoublé. En fait, quand je suis partie pour le couper et le mettre à la poubelle et que ça passe dans mon petit truc de poubelle, c'est là que je me suis aperçue que l'ondulé restait. Donc, je vais le prendre. J'ai choisi la face craft parce que de toute façon, c'est ce que je vais travailler et je vais coller tout ça. En essayant par contre de ne pas trop enlever l'aspect accordéon, sinon ça n'a plus aucun sens. Voilà. Je rappelle que je coupe toujours mes ATC quand je fais des pocket letters, mon fond d'ATC, parce que sinon, ça ne va absolument pas, comment, ça ne va absolument pas quand je veux les couper. Si je fais sur une feuille d'une traite, bah, ça ne va pas. Quand je veux découper... Il y a des trucs qui bloquent, je peux pas couper. Ça m'est arrivé une fois, ça ne m'est plus du tout jamais arrivé. Parce que je ne me fais pas avoir. Même si c'est d'affilée que ça va faire un tableau final. Voilà, c'est ça qui me plaît dans les pocket letters. Hein, c'est que ça fait un tableau au final. Donc, je veux faire un décor très herbier, choses comme ça. Enfin, très décor nature. Oui, ça veut pas. Très décor nature. C'est la fin. Je l'ai tenu à l'envers pourtant. Et dans les marronnés, noirs, bébêtes, choses comme ça. Pour, bah, de toute façon, vous verrez quand elle le recevra, Nani. De Nani Scrap. Donc voilà. Et j'avais dit que je vous filmerais sa carte que j'ai fait sur un Canva. Et en fait, toujours avec cette nouvelle histoire de nouvelle mémoire là, de mon téléphone, que je ne sais pas ce qui se passe, eh ben j'ai pas pu. J'ai pas pu parce qu'il y avait celle que j'ai faite pour Yann qui était en train de charger. Donc à un moment donné. Et puis il faut que j'avance quand même. Je dois envoyer des choses aux gens. Je m'engage, c'est pas pour dire ah bah attends, parce que tu comprends mon téléphone, il est trop long, ah, blablabla. Hop. Fin de compte, j'ai changé d'avis, je peux pas. Donc non, je fais quand même, je m'engage à envoyer, voilà. Bon, alors, vous savez quoi, je crois qu'on va arrêter là, hein, de se battre, et on va prendre le nouveau. C'est comme vous avez vu, j'ai été retrouver le stock quand je suis allée chez Action. Et alors, elle sort toujours une espèce de flotte. Est-ce que j'ai une... j'ai une engine sèche. J'avais prévu, bah, je vais en faire sécher d'autres. J'avais prévu de sécher des lingettes pour pouvoir, vous savez, tamponner avec mes encres. Donc, dans cet esprit, j'ai dit
un peu. Vous avez Maeva qui parle par-dessus moi. Peut-être falloir que je baisse le son quand même. Et voilà. Je colle ça et tant pis, je coupe ma vidéo. Je l'ai déjà vu, hein, mais je voulais la remettre. Je l'ai vu ce matin. Mais... Voilà. Hop là. Hop là. C'est bon. Et donc, je vais vous expliquer tout ce que je veux dans cet esprit nature, enfin l'image que j'ai moi en tête. Voilà, bon, j'ai juste baissé son. Comme ça, vous entendez mes vaguement et. Voilà, donc ça, on a ça là qui est là, c'est bon. Ça colle. Donc, je veux un esprit, comment je dirais, un fondu noir sur les côtés qui va sur la nature, feuillue, fleurie et comment? Les gens, il y aura une bébête, les bébêtes d'Isa. Isa me les avait envoyées pour ça, hein, je pense. Je sais plus, je suppose qu'elle m'a écrit en dessous. Les bébêtes. Raté, mais pour le pochoir, c'est pas grave. Je vois, elle a fait une bébête ratée, mais bah, je crois que c'est le tampon là. Ça a pas bien fait l'aile. Et voilà. Et sur le carton, vous voyez, j'avais ces bébêtes là. Donc en fait, j'en ai coupé une espèce d'une volante. Et une, le blanc, c'est rien. Hein. C'était bien noir, mais c'est à force de couper, on voit la pâte à structure. Une espèce de petite bête cafard, truc qui grouille, mais c'est quand même trop gros. Donc on verra. Soit je retrouverai dans les découpes, soit. Enfin, je ne sais pas, je suis pas encore fixée. Je veux un peu une couleur dans les marronnés. Enfin voilà, c'est encore très flou, hein, mais. Alors, là, l'idée, c'est que justement, on sorte des branches. Donc ça, c'est des branches. Comment je vous dirais? C'est des arbres. C'est les dernières découpes actions que je viens de trouver. Toujours dans ma cartonnette Heineken, hein, parce que elle est épaisse. C'est ça qui me plaît. Donc, on prend, on met de la colle. Ça m'embête ce genre de vidéo parce que là, vous n'avez toujours pas accès au mix média. Je vous montre juste tout ce que moi je peux mettre dessus, pourquoi. Enfin, et après, il faut quand même avoir son idée quand vous partez là-dessus de ce que vous voulez faire. Faut pas faire une accumulation. Enfin, si vous voulez mon avis, après il y a peut-être un côté plus artiste qui vous dirait bah non, tu colles au fur et à mesure. Moi je sais quand même sur quel thème je pars. Elle est où ma... Mais là, comme j'ai tout sorti pour avoir tout à portée de main, pas perdre de temps et tout ça en filmant, du coup c'est un peu le bazar. J'en ai plein, 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 plein partout. Et des découpages et des trucs et des machins. Donc voilà, et là vous voyez pas, ça me fatigue. Voilà, donc bon voilà, je viens d'entendre trop Maeva. J'ai essayé de remonter pour que vous voyez tout, même si c'est le bazar. Voilà. Là, j'ai mis ma branche. Enfin, au départ, c'est un arbre, hein, je rappelle, c'est une découpe d'arbre. Mais moi, j'ai décidé que c'était une branche. Alors après, par contre, j'aimerais pas que ce soit complètement à l'identique ou alors que ça chevauche plus en l'air, etc. Parce qu'un arbre qui a des branches bien comme ça, limite, c'est des racines, c'est plus des... Et après, je vais vous montrer, il faut que je joue avec d'autres papiers. Donc avant de mettre mon arbre, je viens aux autres papiers. Je viens à ce papier-ci. Bien sûr, je n'ai pas préparé du tout l'autre papier qu'il me fallait. Ça, c'est... Un craft hyper rigide sur lequel étaient ces fameux cartons ondulés qui renforçaient le carton d'envoi. Vous aviez donc un deuxième craft comme ça dessus qui maintenait et qui formait l'épaisseur du carton. Ce qui m'a intéressé et pourquoi j'ai gardé, c'est ces lignes de colle que je compte garder en impression derrière quand je vais faire mon travail de papier, de teinture, de voilà, vous comprenez. Alors je me demande si j'aurais pas dû ça a collé ou pas. Ouh, presque. Commencer là. Donc vous avez compris ce que je fais.
Donc ça, je vais couper, puisque je vous ai dit, je n'ai que 20 minutes, on est déjà à 10 minutes. Je vais couper, je vais coller tous mes papiers. Comme ceci sur la TC, pour l'instant, je coupe grossièrement, je m'en fiche. C'est juste pour voir où je colle les choses, vous savez, en plus, en moins, en voilà. À tout de suite. Alors, ce qu'il faut voir et vérifier tout de suite, c'est que je ne sais pas, enfin, vous dire tout de suite, c'est que je ne sais pas si ce papier aura un quelconque intérêt. Au pire, il permettra de faire une surépaisseur à tout ce qu'on a fait. Et alors, elle est hyper liquide et à la fin, on a un mal dingue à la sortir. Ouh là 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 là! Eh bien, il y aura une tache de colle aussi sur le papier. Écoutez, hein, ça ne me choque pas. L'idée, c'est du mix média. Donc, le mix média, c'est jamais propre au départ, c'est une accumulation de choses. Je pars encore une fois beaucoup de papier. Il y a des gens qui peuvent partir de plus de métal, de trucs comme ça. Vous avez vu quand j'ai fait la carte industrielle à Yann, je suis beaucoup plus partie sur le métallisé, le papier d'alu, genre de choses. Voilà. Voilà. Là, j'aimerais que donc de ce paysage, il y ait aussi, dans ce paysage, il y ait aussi des papiers de livre. Forcément. Voilà. Alors, quel est l'intérêt? Pour l'instant, aucun. C'est juste à la patouille. Qu'ils prendront différemment. Ah mince, attends. Parce que là, du coup. Ah, ben, c'est pas grave. Ça sera pas aligné, mais c'est pas le but. Tant pis. C'est votre vieux papier de livre déchiré et beaucoup plus, on va dire. Non, c'est pas pour eux. Ils laissent pas passer. Ce teinte. Très facilement, beaucoup plus facilement en fait. Voilà, donc on a encore un bout de Madame Chrysanthème. Et oui, j'en suis toujours pas venue à bout. Hein. C'est. Je recoupe là tout de suite grossièrement ce qu'il y a autour. Voilà. Là, on a un bout de Madame Chrysanthème. Ensuite, j'aimerais qu'il y en ait. Là, voilà, comme ça. Et après, vous avez compris, quand ça dépasse au milieu, j'ai pu, une fois que c'est bien, là, une fois que ça prend bien, j'ai plus qu'à recouper. Recouper mes deux ATC, bien faire attention qu'au départ, elles ne se chevauchent pas, et je les recoupe, et c'est fini. Ce qui donne, voilà, 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 comme ça, j'attrape et je coupe. Faut juste que je pense à laisser un espace quand je le fais. Et là, forcément, c'est le drame, ça se décolle. Ce n'est pas encore sec. Voilà. On est bon. Voilà. Bah, là, ça me paraît pas mal. Donc maintenant, je peux y retourner avec mes bouts de branches et de fleurs, comme je vous comptais le faire dans mon esprit. Sachant que là, je la trouve extrêmement vide, là en haut. Il va falloir que je trouve quelque chose. Ça, par contre, je voulais la mettre plus droite. Vous voyez, donc là, par exemple, celle-là, elle va se chevaucher sur 4 ATC. Le bas, le haut, là. Donc, bien vérifier que j'ai un petit espace qui me permettra de passer ma paire de ciseaux. Et je vais le laisser prendre le temps de... Je vais vous montrer. Je vais le laisser prendre le temps de... faire un bouquet de fleurs en bas. Parce que je veux qu'en bas, il y ait un bouquet de fleurs. Après, il faudra aussi qu'on... Enfin, bon, bref. Je ne sais pas où je vais. Quand je fais du mix média, je choisis un thème. Et j'essaye d'arranger les choses au fur et à mesure que je les place. Si j'ai une idée dans ma tête, absolument pas dit que j'aurai ce résultat-là. Enfin, le résultat me plaira, hein, ça j'en doute même pas. Mais voilà. Puisque j'ai sélectionné tous les éléments que je voulais. Voir, il y a peut-être des trucs, j'ai beaucoup trop découpé d'éléments. Ça, je m'en suis aperçu.
Je lui ai dit, tu vas peut-être t'arrêter. J'ai fait ça ce matin en discutant avec Yann, en regardant quelques vidéos, et voilà. Donc, mon autre branche est émise. Attends, si je mets de la lumière. Ouais, c'est pas super flagrant parce que c'est craft sur craft. Ensuite, je veux donc aussi ces éléments métalliques. C'est là où vous devez avoir coupé vos ATC en amont pour les mettre sur des pocket letters. Parce que si vous les mettez, ils sont sur de toute leur longueur et que vous ne pouvez plus couper après, bah vous êtes bien coincé. Donc celle-là, pourquoi pas la mettre là? Celle-là, là. Je sais pas où je vais. Hein. Parce qu'elles sont trop grosses pour les branches. Donc, et là, là-dessus, je pourrais pas. Ou alors là, sur le bas. Il va falloir que je la mette, mais sur le bas. Parce que sinon, ça n'ira pas. J'avais l'autre, là, cette chute-là. Parce que celle-là, c'est des très grandes comme ça. J'ai jamais l'espace pour mettre les très grandes. On finit toujours par les couper en deux. Et voyez, à moins que... Ouais, je vais le rajouter là dans les branchages. Ouais. On pourrait considérer que ça correspond à un branchage. Voilà. Pourquoi pas. Et celle-là, là. Ensuite, je voulais donc rhabiller avec... pareil, c'est des découpes qui sont dans le qui vont avec les fameux arbres. Alors, déjà la colle chaude pour mettre mes métalliques. C'est long ces vidéos. 16 minutes, oh, vous avez rien. Et j'ai plus de capacité dans mon téléphone, je sais pas ce qui se passe. Voilà. Mettre là comme ça. Celle-là, on va la mettre là comme ça. Par contre, il va falloir quand même que je fasse du volume modéré. Parce que je vais le mettre dans une pocket letter. Donc à un moment donné, je peux pas mettre une ATC qui fait... genre 1 cm d'épaisseur quoi, hein. Donc c'est du volume, mais du volume relativement plat quand même. Yann va passer par là justement, je pense à elle qui va me dire bah même moi c'est pas du volume ça. Ben non, je sais, toi qui fais du cartonnage, c'est pas du volume, mais j'adapte le volume à la taille de la création. Alors elle me le dirait pas en mal, je pense pas, et voir peut-être elle me le dirait pas, elle me dirait dis donc mais qu'est-ce qui t'a pris, tu je te renie, mais Alors, les ça, d'accord, que j'ai toujours découpé sur mon carton d'Heineken, hein, c'est ce que je vous dis. Comme quoi, un carton, on peut faire plein de choses dessus. Je vais les glisser au milieu de tout ça. Je reviens. Sinon, on n'aura jamais assez de temps de vidéo. Bon, ensuite. Donc là, j'ai collé mes feuilles partout, y compris en bas. Je les ai mis en haut, comme si l'arbre rechutait, hein. Enfin, il y avait des branches qui retombaient. J'essayais de suivre une certaine logique. Et maintenant, les autres feuilles comme ça, elles resserviront dans le bouquet. Le bouquet. Bah oui, il faut que je vous fasse un bouquet. C'est toutes ces fleurs-là que là, pour le coup, je coupe de nouveau parce qu'on est restreint en temps. Et je les colle là. Je veux que là, il y a un espace fleuri. A tout de suite. Alors, j'ai rajouté quelques fleurs comme ça. Et en fait, les petits cœurs sont partis faire je ne sais pas quoi de l'herbage en bas, ou là dans le tronc. Et qu'est-ce que. Et. Oui, en fait, j'ai dit je vais le faire devant vous pour vous voyez. Ça, moi, ça va me servir de. Comme de bout de branche, quoi, en fait. D'une branche qui pousse, je ne sais pas. Le cœur, on va continuer d'en faire un truc bizarre qui sort de l'arbre, parce que genre de la mousse ou je sais pas quoi, qu'il y a sur le tronc de l'arbre. Voilà, bon, ça va, c'était chaud, encore chaud. Voilà, ça rentre, pour rappel, parfaitement, il peut se rallumer, lui, dans le carton ondulé. Là, elle, bon, on va la mettre là.
On va la mettre ici. Elle est en tissu. Les couleurs, bah, honnêtement, déjà, les couleurs originales, j'aimais pas. Mais comme moi, je vais teinter, etc. Elle pourrait être violette, verte, orange, que ça ne va rien changer du tout au mix média. Et donc celle-ci, je la vois bien là comme ça quand même. À moins qu'elle rechute là. Non, parce que là, je sais ce que je veux mettre. Alors. Là, en branchage en haut. Ouais. Donc là, alors là, par contre, pour mettre de la colle, il faut y aller grossièrement. Hop. Et j'ai pas rallumé. Combien de minutes? Waouh. Je vous assure, ça va devenir mon angoisse. Alors déjà, avant, j'avais peur de vous faire des longues vidéos. Mais alors là, que pour je ne sais pas, X raison est super. Maintenant, c'est la colle qui ne veut plus couler. Ah non, c'est aussi le pistolet qui est mort. Eh ben, va falloir que, voilà, que tu m'en fasses quand même le temps de que je puisse glisser ma fleur comme je l'entends. Ma tête de fleur. Voilà. Comme ceci. Voilà, là vous avez, c'est 20 minutes, tout ce qui va constituer après le fond pour la patouille dessus. Sachant que je rappelle que la star n'est pas ce paysage que ma foi je trouve très joli, hein, soit dit en passant, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Mais c'est une de ces bébêtes qui certainement trônera là, en fait. Ouais, tout ça pour une ATC avec une bébête. Mais voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, nous coupons là cette vidéo de base mix média. Pour l'instant, il n'y a aucune teinte dessus. Parce que je ne sais pas du tout quel type de couleur je veux. Au départ, j'avais un truc en tête. Et là, d'avoir monté tout ça, je me suis dit, ah oui, ça ne va pas correspondre. Donc, du coup, il va falloir que j'aille au hasard de mes déambulations. Sur ce premier assemblage mix média devant vous, on se retrouve certainement pour la vidéo teinte et puis ensuite bah ce sera la vidéo présentation dans la pochette là. Bisous.